Eh bien, salut. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, sur YouTube, sur la chaîne. Déjà, bonne année 2024 à vous tous qui me regardez. Plein de bonnes choses, surtout la santé. Alors, je vais pas faire beaucoup de blabla. Je vais essayer d'être le plus à l'aise possible, ce qui n'est pas du tout mon fort, surtout voilà, quand je me filme. Ça doit faire des années que vous m'avez pas vue sur YouTube, ou peut-être j'exagère, les dernières fois que vous m'aviez vue, c'était peut-être il y a 2 ans quand j'étais partie en Italie faire mon voyage et que je vous avais emmené avec moi et que j'avais fait une série de vlogs. Sinon, depuis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, bah, je travaille comme tout le monde, donc je suis très occupée par ce travail qui me prend une bonne partie de mon temps. Je travaille également les week-ends, certains jours fériés, certains dimanches. Les joies de la vente. Donc là, j'ai pas le temps de sortir faire voler mon drone autant que je le souhaite et autant que je pouvais le faire avant. Donc je suis désolée s'il y a beaucoup moins de vidéos de drone actuellement sur ma chaîne YouTube. Pourtant, c'est le cœur de ma chaîne et c'est ce pourquoi vous me suivez et vous êtes abonnés depuis le début. Je parle pour les premiers d'entre vous qui me suivent depuis quelques années maintenant que j'ai commencé sur YouTube. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En 2024, je tiens et je m'engage à sortir davantage de contenu drone, justement, avec beaucoup de prises de vue aériennes, beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. Je vais essayer d'en faire au maximum possible et essayer de concilier ma vie professionnelle, privée avec mes loisirs, ce qui n'est pas forcément simple, mais je vais essayer de m'y tenir, comme je vous dis. Aujourd'hui, je vous filme cette vidéo avec mon nouvel appareil, c'est-à-dire ma caméra qui est en train de me filmer. C'est la DJI Osmo Pocket 3, donc qui vient de sortir chez DJI il y a quelques mois maintenant, pour Noël en fait. Je dis il y a quelques mois, mais c'était il y a 2-3 mois max, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc je suis très très contente de cette caméra. C'est la première fois que je me filme avec, mais j'ai déjà pu l'essayer un petit peu, jouer un petit peu avec, aller dans les paramètres, les réglages, voir ce qu'elle avait dans le ventre. Et franchement, j'en suis vraiment satisfaite. Les résultats sont plutôt concluants. Donc je vous invite à me suivre si ce n'est pas encore le cas, parce que je vais faire beaucoup de vidéos et de revues avec cette caméra dorénavant. Je vais essayer aussi de mixer les prises de vue aériennes et les prises de vue au sol pour vous faire des vlogs ou des vidéos beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intéressantes à regarder. Je vais essayer vraiment de gaper sur le montage vidéo et de m'améliorer en post-production parce que je sais que c'est un peu une de mes lacunes. J'ai beaucoup de plaisir à filmer tout ce que je fais, que ce soit en drone ou pendant mes voyages. Mais c'est vrai que le montage, c'est un peu mon talon d'Achille. J'ai un logiciel de montage que je paye. Et que je renouvelle chaque année, mais j'exploite même pas, on va dire, 20% du logiciel. Je me contente vraiment du basique. J'étalonne pas mes vidéos, je les retouche pas, je touche pas à la saturation, à la netteté, etc. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus pour pas vous perdre dans tout ce qui est la technicité, on va dire, des vidéos. Mais en tout cas, j'espère que vous serez au rendez-vous pour me suivre dans mes prochaines vidéos, mes prochaines aventures et surtout dans mes prochaines vidéos de drone parce que ça va redémarrer bah, très bientôt. J'emmène notamment mon drone au ski avec moi en début février. Donc je vais essayer de vous faire des belles images à ce moment-là de la montagne et de la neige en croisant les doigts pour qu'il y en ait assez. Et voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. C'est une vidéo vraiment pas préparée du tout, faite de but en blanc comme ça. Je ne sais même pas s'il va y avoir un montage dessus ou si je vais couper quelque chose ou la laisser telle quelle. Vous le verrez bien quand elle sortira. Et puis bah, moi je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait comme je vous disais. Et j'espère que tout ce que je vais sortir par la suite vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire savoir que vous êtes toujours présent sur cette chaîne parce que je l'ai un peu laissé à l'abandon et je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivez dès le début ne me suivent pas forcément toujours aujourd'hui et j'en suis désolée, c'est de ma faute, je suis pas assez régulière sur YouTube, je poste pas souvent des vidéos et c'est vraiment dommage parce que c'est ce que j'aime faire et je vais essayer vraiment de prendre plus de temps pour moi, plus de temps pour mes passions et YouTube, enfin la vidéo en est une.
Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour voir les prochaines vidéos et moi je vous fais de gros bisous. Bye bye!